Et bonjour tout le monde, c'est Oxymos et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Oxymos Pocket Edition. J'espère que vous allez bien les amis. Comme d'habitude, pensez à lâcher un max de likes, une vue est égale à un like, c'est super important pour le développement de la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je sors une vidéo par jour. Regardez ça les amis, je suis tombé sur un spawner de zombies dans le dernier épisode, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est celui de la semaine dernière, celui de dimanche dernier à 10h. Oui, je rappelle que je sors une vidéo de Oxymos Pocket Edition tous les dimanches à 10h. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est régulier. Donc je tourne toujours à la suite parce que j'en peux plus là. Enfin, à l'heure où sort cette vidéo, j'ai tourné 3 semaines avant pour vous dire. Mais voilà, je suis trop content, j'ai trop envie de jouer. C'est pour ça que je tourne tout à la suite. Et on est tombé sur un spawner. On s'est pas spoil sur les coffres, moi non plus. Et je vais découvrir tout ça dedans. Alors déjà, j'aimerais faire une prédiction. J'aimerais énormément une selle pour l'âne qu'on a vu dehors il y a 2-3 épisodes de ça. J'aimerais beaucoup une deuxième pioche parce que la mienne est cassée et on est en plein dans les grottes, il y a plein de trucs à ramasser. Alors s'il vous plaît, faites que mon vœu soit exaucé. Alors il y a un seau, pomme d'or, c'est quoi ce livre? Oh sympa ça, j'aime bien. Ok, donc il n'y a pas ce que je voulais pour l'instant, mais on peut se rattraper sur le deuxième coffre. Donc on va voir ça. Je vais tout récup, voilà, je vais tout mettre ça là. Hop, il y a du fil, c'est parfait pour les arcs. Il y a du fer, c'est parfait aussi. Ah bah si, il y a la selle, c'est bon. Il y a une selle, oh, c'est trop bien. Alors pomme d'or, objet rare, seau, je voulais en crafter un, c'est parfait. Dites-moi qu'il y a une pioche en fer, s'il vous plaît. Ah non, il n'y a pas de pioche en fer. Oh, par contre, attendez. Ah non, c'est graines de betterave, je croyais que c'était des graines de pastèque. Merde. Bon, graines de betterave, ça peut servir aussi, c'est un nouveau truc. Voilà, c'est génial. On va tout rassembler. Et là, on a un projecton. Oh putain, 4, c'est génial. On a une deuxième selle aussi. Ok, alors je suis. Je suis semi-content, mais je suis quand même content. 4 points, ok. Alors, retenez les coordonnées. Limite, ce qui serait bien, c'est que ouais, je note les coordonnées comme ça. Et après, on fera un grand trou qui va de haut en bas. Voilà, pour. Enfin voilà, pour essayer de. Faudrait faire un chemin qui mène justement de la maison à ici. Ça serait génial. Voilà, je venais ici à la base pour le fer, mais j'en ai pas trouvé. Il y a de l'or, il y a tout en fait, mais j'ai pas trouvé de fer. Du diamant, pardon. Du diamant. Je vais regarder ici, non, il y a rien d'autre. Bah voilà, j'ai cassé ma pioche. Je peux. Ah bah, j'allais dire, je pouvais pas m'en refaire, mais finalement, je peux en refaire une en pierre. Je sais pas si ça va servir, mais je peux m'en refaire. Ouais, si, allez. On va s'établir un petit campement. De toute façon, on a un bel endroit, donc voilà, on va pas cracher dessus. On peut limite se faire un petit four et tout, hein. On pourrait carrément faire ça. Merde, j'ai posé un mauvais bloc. Tac, on va faire un four. Non, j'ai fait un dispon. Je suis trop con, je suis vraiment débile. Alors attendez, on va faire un coffre. Non, le coffre on en a déjà. On va se faire un four. Ça on va drop, voilà, on va se faire un four. On va le poser là, on va prendre le coal, on va le mettre là. On va prendre le fer, on va le mettre là. Voilà, ça on va le mettre là-dedans parce qu'on s'en tape, mais vraiment, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ça pourrait servir éventuellement pour le frigo, on mettra un dropper, un truc comme ça, mais ça sera vite fait. Mais c'est vrai que les prochaines vidéos, là, ça va être plus, on va encore, je pense, les prochaines vidéos, ça sera plus exploration. Et après, on commencera à faire des bons systèmes et tout, on va optimiser les trucs, et ça sera vraiment cool. Allez, c'est parti, on va faire une petite pioche en fer, et là, c'est bon, on va pouvoir rester, donc finalement, c'est pas si mal. Tac, voilà. Petite pioche en fer. On va attendre que le reste se mette à cuire. Et on va récupérer tout ça. Voilà. Bon, finalement, on mine beaucoup pendant ces épisodes-là. Les 4 derniers épisodes, je pense que sur les 4 derniers épisodes, on a dû miner, je sais pas, les 3 quarts, en fait, c'était du minage pratiquement. C'était dans les grottes. De l'exploration, hein, surtout. Exploration et minage. Donc, ça va changer, vous inquiétez pas. Hop, on va essayer d'être un petit peu plus tactique dans ce qu'on va faire. Donc là c'est bon, j'aimerais juste trouver du diamant une fois dans ma vie si c'est pas trop demandé. Parce que j'ai l'impression que c'est trop demandé, hein, avec eux, avec Mojang. J'ai l'impression que c'est trop demandé. Parce que voilà, après on peut pas avancer, on peut pas aller dans le nether si on n'a pas d'obsidienne, donc de diamant en gros. On peut pas avoir ce privilège, on va dire. Alors on est quand même à la couche 11, il y a moyen que je trouve du diams. Si je mine un petit peu autour comme ça, il y a moyen franchement. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais miner comme ça. Voilà, je vais miner ici. Il n'y a rien du tout, il n'y a vraiment rien. Ok, on va aller par là. De toute façon, j'ai de quoi faire. Mon inventaire est presque plein, mais j'ai des torches, j'ai pas mal de trucs, donc il y a moyen que je survive bien. En plus, on a des coffres. On a installé un petit camp de fortune, on va dire, au niveau du spawner.
Dommage que ça soit pas un spawner à squelette et tout, on aurait pu l'optimiser parce que spawner à zombie, ça sert à rien. En vrai, ça sert strictement à rien, donc je sais pas ce que je vais en faire vraiment. On verra. Peut-être que sur Minecraft PE, avec une pioche Steel Touch, on peut récupérer les spawners. Je sais pas, c'est... Je sais pas encore. Alors, tac, là, y'a rien. Là, y'a rien. Y'a vraiment rien. Que dalle, que dalle, que dalle. Minage opti... Ah, voilà. Pour une fois que le minage opti fonctionne, on a un petit peu de... comment dire... de redstone. Voilà, redstone. Ah oui, non, un petit peu, ouais, on en a vraiment pas mal, en fait. Voilà. Je vais voir si je peux... tout récupérer, j'ai pas l'impression. Dites-moi que je peux tout récupérer quand même. Ah, je crois que je peux pas tout récupérer. En même temps, j'ai tellement de trucs là. Ouais, ok. Alors, je vais virer des trucs de qui servent pas. Merde, il y a plein de trucs qui servent. Je vais récupérer. Je vais rentrer à la base. C'est pas très loin. À la base de fortune. Je vais déposer pas mal de trucs et voilà. On va pas se faire yesh. On va se mettre là. Voilà, s'il te plaît. Pourquoi ça veut pas? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Ok, l'autre truc voulait pas s'ouvrir. Alors on met les trucs qui servent pas à grand chose ici. Voilà, on met ça, ça. Exactement comme as. Et go go go. On fait ça comme ça. Hop. Nickel. Voilà, là on va pouvoir tout récupérer. C'était là. Oui, c'était là. On va mettre une torche et on va voir. Eh, franchement, du diams. Par pitié, s'il vous plaît, du diamant. Il y en a. Ah, alors bonjour à tous les amis, l'heure est grave, les slogans vont beaucoup trop vite, à peine 4h. Oh là, c'est ces petites loups qui parlent, ça doit parler du OP Prison du nouveau jeu. C'est vrai, le nouveau jeu OP Prison, n'hésitez pas à venir si vous avez Minecraft, Minecraft PC. Je pense qu'elle doit paniquer parce que les slogans ils augmentent beaucoup trop vite, mais ouais, voilà. Louvre l'admin a des responsabilités, donc voilà. Elle prend son boulot très à cœur, donc c'est ça qui fait vraiment plaisir. Wow, mais on va faire des montagnes de... C'est quoi ce délire? Je vais faire des montagnes remplies de redstone si ça continue. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce bordel? Je veux savoir, les gars. Je veux tout savoir. Hop. Là, tac, tac, tac. Hop. Ouais, ma pioche est déjà bientôt cassée. C'est pas ouf, hein. Faut vraiment que je trouve du diamant. S'il vous plaît, du diamant. Le mec, je vais gueuler là, je vais gueuler. S'il vous plaît, du diamant. Par pitié, je suis à la couche 12, ça fait 4 épisodes que je mine, par pitié, du diamant, c'est pas compliqué à demander, non? Du diamant. Souvent il y en a autour de l'andésite, c'est une technique américaine, j'ai appris une technique ancestrale. Allez, minage opti, là il y en a pas, ah j'ai vu du lapis ou quoi? Ah non, j'ai pas vu de lapis, c'était une hallucination collective, lol. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a que dalle. Là, y a que dalle. Là, y a que dalle. Ah, si, un peu de... Ah oui, je vous disais qu'il y a un minerai, on cache toujours un autre. Alors, on va voir si en minant autour de ce minerai, on n'en trouverait pas un. Mais si on n'en trouve pas, les gars, c'est la mort. Hein. Moi, j'arrête. J'arrête le métier du youtubeur. Je me reconvertis en mineur... En diamant, enfin en bijoutier, voilà. Le mec, il allait dire diamantier, quoi. Je ne sais plus parler, bonjour. Non, bah, je trouve pas de diams. Est-ce qu'il existe le diamant sur Minecraft PE? Ça se trouve, il n'existe pas et vous me faites tourner en rond depuis le début, les amis. Ça se trouve, vous me faites ça. Vous êtes vraiment des sadiques, hein. Vous êtes vraiment des gros sadiques. Tac, oui, pardon, je regardais un autre truc. Super, ça m'a mis le jeu en pause. Bande de sadiques, va, bah, ça se trouve, le diamant dans Minecraft PE, ça n'existe pas. Oh là là, ils m'ont fait tourner en rond. Vous faites trop tourner en rond, les abonnés. Hein. C'est fou. Non, il n'y a pas de diam, ça. Voilà, j'ai cassé ma pioche. Bon, écoutez. Oh là, ça les dispone, ça, tellement je suis... Quoique, ça peut servir hein, pour rentrer à la maison. J'ai un peu la flemme de remonter, en fait. Alors, attendez, on va reprendre tout le fer. On va reprendre ça. Tac, et on va reprendre quelques petites babioles qu'il y avait là. On va reprendre ça, on va reprendre ça, on va reprendre ça, on va reprendre ça, on va reprendre ça. Et le reste, ça nous regarde pas. Alors, du coup, les coordonnées, c'est en moins 3000, moins 1800. Et on est en couche 17, voilà. Et on va se suicider dans la lave, s'il vous plaît. Par pitié, dites-moi que je ne vais pas mourir avec le stuff. Alors, pourquoi ça m'a affiché ça, je ne sais pas. Je vais aller dans le menu pause et dans les paramètres. Alors, l'inventaire. Cycle jour-nuit, jour éternel.
conservation de l'inventaire, il est activé. Donc normalement c'est bon. Allez, par pitié. What? Il y a des bulles dans la lave. N'importe quoi ça. Ah c'est bon, j'ai tout récup. Il y avait des bulles dans la lave, je rêve. Mais what the fuck. Ce jeu pète des câbles des fois. Hein. Ce jeu n'est pas très bien fait. Ce jeu est bizarre, bonjour. Alors, on commence à avoir tellement de minerais les gars, ça c'est pas mal. Pommes d'or, plein de trucs ultra rares. Voilà, donc tac. Regardez ça, notre coffre s'agrandit. Puisque là, on va mettre le fer. On a plus d'un stack maintenant. On va mettre... tac, ici, ici. Voilà, tout ce qui est comme ça. Comme ça. Ça, c'est un objet rare. Ça, c'est un objet rare. Je sais que sur les ânes, on peut mettre des coffres. Donc ça, ça peut être génial aussi. Et voilà, alors... j'ai vraiment envie de mettre une selle sur l'âne qu'on a vu l'autre jour. Alors c'était... Il était où l'âne? Je sais plus où il était. Par contre notre champ a tout poussé. Donc faut, on ira voir après. On ira récolter après. Mais il faut que j'aille voir l'âne. Il était là. Oh il est toujours là. Nickel. Alors l'âne. Merde. Montez. 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 S'il te plaît ne meurs pas. Ne meurs pas. Montez. Pourquoi je peux pas monter? Pourquoi je peux pas monter sur l'âne? Alors attendez, je vais mettre un granit ici. Tac. Sel, monter. Non, je le tape là. Pas bon ça. Pas bon de le taper. Oh, mais je suis encore tombé. Je suis nul. Je suis nul. Comment on fait? Peut-être il faut qu'il soit en dehors de l'eau. Peut-être, à mon avis, il faut qu'il soit en dehors de l'eau. Alors je vais l'aider. Je vais un peu reboucher ça. Voilà. Je sais pas si on peut l'amadouer avec une carotte, ces petites bestioles là. Alors je vais lui mettre... voilà, je vais... Pardon, excuse-moi mon pote. Voilà, c'est bon. Nickel, il est remonté. Alors, monté. Yes. Hop. Non, j'ai sauté. Non, je l'ai retapé. Il va plus avoir de vie à cause de moi. Il a déjà plus beaucoup de vie. Alors. Ok, ouais. Là, je peux pas... Voilà, on est d'accord. Celle, si je fais clic, non. Comment on le met par contre? Ouais, yes, voilà. Là, on met ça. Yes, trop bien. Oh, ouais, j'ai un âne. Oh, trop bien, je suis trop content. Oh, il me faut une laisse, il me faut un lasso. Comment on fait un lasso? Je crois qu'on peut pas le faire. Oh, trop bien. Bon, il est un peu nul, il saute pas très haut. Mais je peux me balader comme ça. Oh, trop bien, je suis trop refait. Oh, je suis grave content. Attendez, je vais le mettre dans ma maison. Hop, voilà, je vais le mettre dans ma maison. Oh, et on a aussi des bulles ici, c'est pas un peu bugué cette histoire de bulles? Oh là, oh là, voilà. Oh, je suis trop content. Regardez, oh là. Hop. Non, s'il vous plaît, je peux pas sneak. Non, c'est sneak comme ça. Voilà, c'est bon. Waouh, on a notre âne. Trop bien. Faut l'enfermer par contre, il va s'enfuir après. Il va s'enfuir. Je vais mettre des barrières ici. Ça va servir à quelque chose, mais je vais mettre ça. Voilà, ça, ça, ça. Après, il pourra sauter ici, ouais. Je vais mettre des barrières ici pour l'instant parce que je veux pas qu'il saute ou je sais pas quoi. Voilà, on va le laisser là. Donc, purée, je suis trop refait. Donc ça, c'est fait. Là, on a du truc qui a été cuit aussi. On va faire une enclume tant qu'on y est parce qu'on a beaucoup de fer. Et voilà, on va faire une enclume. Je sais qu'on a besoin d'une trentaine de fer, donc ça sera pas un problème. Alors, bloc de fer, on va en faire 1, 2, 3, et là, l'enclume, là, on va en faire une, voilà, ça c'est fait, on a une enclume, les seaux, on en aura besoin, chaudron, on a quoi d'autre, ça, on en aura pas besoin de ouf, ok, bon, pour l'instant, on va garder ça comme ça, on va mettre ça ici, et il me faut vraiment une, comment on appelle ça? Des bibliothèques, une table d'enchantement. Il me faut vraiment ça par contre. C'est vraiment limite indispensable. Ok, ça c'est fait. Le petit âne, il est là. On va récolter maintenant. On va récolter tout. Hop, je vais tout mettre ça là pour l'instant. Et on va agrandir la maison juste à la fin. Mais pour l'instant, on va partir à la récolte. Donc on va poser tous nos trucs ici qui ne servent absolument à rien. Voilà, ça sert à rien par exemple. Ça sert à rien. Ça sert à rien. La bouffe, je la mettrai plus tard. Moi, je la mettrai juste là, tout de suite. Il y a du pain en plus et tout. Donc, je vais pas cracher dessus. Voilà.
Voilà. Le saut, on va le mettre là. Le col, on va le garder. Ça, on le met là. 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 C'est vrai que j'ai plus de pioche déjà, donc... bon. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Alors, le fridge. The fridge, on va prendre déjà les trucs qui ont été cuits. Comme ça. Comme celui-ci, par exemple. Cet or-là, on va le mettre là, ici. On va le rajouter à nos 11 d'or qui étaient là. Et voilà. Regardez ça, comment il est rempli. Pouah là là, trop fort, Oxy. T'es trop fort. Merci, merci, je sais. Ça, on va les garder. La diorite, je sais pas ce que ça fout là. On va mettre ça ici. Bim. Et voilà. Allez, c'est parti, on va tout récolter. Tac. Allez, on va prendre ça là. Ouais, non, je vais encore mettre des trucs dans ici parce que ça sert strictement à rien. Ça, ça et ça. Pas ça par contre. Ça, je garde pour la poudre d'os. La poudre d'os qui peut nous être très utile. D'ailleurs, que je vais crafter tout de suite. Si je peux. Voilà. Hop, ça permet de faire pousser les trucs plus vite. Voilà, 24, c'est magnifique. Ok, alors c'est parti, on va aller par là. Et on va tout récolter. Il y a masse de trucs, c'est pas mal. Canne à sucre, il y a une citrouille qui a déjà poussé. Donc là, c'est essentiellement du pain. Ah ouais, c'est les carottes qu'il faut replanter. Alors attendez. On va d'abord faire ça, et après on va replanter des carottes. Enfin, on va replanter du pain et tout, mais on va replanter aussi des carottes. Alors ça. Hop. Voilà, je sais pas à quoi ça pourrait servir exactement que je plante des cannes à sucre. Mais bon, je les plante quand même. Ça, je vais garder. Voilà. Alors, on va tout replanter. On a 53 graines, on a 32 wheat. Donc, hop, 32 blé. Voilà, voilà. Tac. Non, je peux pas. Je voulais voir si je pouvais maintenir et ça marchait, mais non. Ah ouais, bah du coup, ça a attiré... MDR, ça a attiré le poulet avec les graines, là. Ok. Donc, on va agrandir un peu le champ. Et on va... Hop. Je vais utiliser les carottes, après. Enfin, avec... je vais mettre les carottes sur le champ. Je récupère ça. Voilà, 33. Là, on en a déjà beaucoup plus. Tac, tac. On va mettre ça là. Pourquoi ça a pas poussé, ça? C'est étonnant que ça ait pas poussé. Ok. Tac, tac, tac. Oh non, j'ai fait une connerie. Et c'est avec mon faux double saut là. Alors, du coup, je vais agrandir par là, je pense. Non, je suis con. Ok, c'est bon, ça a pas tout détruit. Je vais agrandir par là. Hop. Et je vais rajouter. Là, je vais rajouter toutes les carottes. Donc, ça va être vraiment rentable. Je vais faire un grand trou comme ça. Bim, 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 bim. Il me faudra la houe. Et après, j'aurai juste à planter. Je vais partir de là. Hop, 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 hop. Une petite irrigation, tu vois. Irrigation des temps modernes, on va dire ça comme ça. Ici, on va faire un peu de place. Faudra recrafter des barrières après pour pas se faire, pour pas que les monstres puissent venir. Mais ça, c'est encore autre chose. Tac, voilà. Et ici, c'est parti. On va avoir beaucoup de terre aussi. Je sais pas ce qu'on va faire de tous ces blocs. J'avais dit qu'on ferait un château géant. Alors, c'est vrai que ça peut se faire, c'est vrai que ça peut se faire. Hein. J'ai jamais dit le contraire, mais ouais, ok, ça peut se faire. Alors du coup, là, il y a de quoi, hein. On va chercher les outils pour planter les carottes, ainsi que les carottes. Alors tout ça, c'est pas là-dedans, mais c'est là-dedans. Hop, voilà, il y a la houe en pierre qui est juste là. On va l'échanger avec les graines. Et il y a les carottes qui sont à l'intérieur de ce truc-là. 31 carottes, c'est parfait. Dommage qu'il n'y ait pas de patates, ça m'aurait beaucoup aidé. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Hein. Enfin, je préfère manger les patates que les carottes parce que patates cuites, ça nourrit plus. Bon, après, t'es obligé de les cuire, les patates, mais... Écoutez, c'est pas un problème, ça. Alors, tac. Ah non, ah ouais, je suis obligé de donner des petits coups comme ça. Ah ouais, ok, d'accord. Tac, 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 tac. Ok, ok, ok. Ah oui, je peux aussi avancer comme un connard. Ouais, ok, ça marche. Tac, il faut que je reste... Ok, hop, voilà. Alors là, si j'arrive pas à faire quelque chose de propre, voilà, voilà. Là, ouais, c'est bon. Faut pas que je saute comme un débile. Et voilà, nos plantations de carottes sont faites. J'aimerais bien voir ce que ça rend de haut. Faudrait faire une tour d'observation aussi, une tour de garde. Ça serait intéressant.
Est-ce qu'on la ferait juste, on la ferait pas juste après cette tour de garde là? Parce que de haut, ça pourrait. On a toujours vu de bas ce qu'on a fait là. Mais de haut, ça pourrait rendre sympa. Là, c'est fait. Je vais essayer de pas casser, voilà. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va reprendre là où. Tac, tac. Ça, voilà. Ça sera pour plus tard quand on aura plein de carottes. Bah, justement, regardez. Regardez ce que je vais faire. Hop, hop. On va mettre de la poudre d'os absolument partout. Comme ça, on va pouvoir récolter les carottes et les replanter. Et on sera bon. Voilà. Ça, c'est fait. Là, non, pas trop. Non. Tac. Voilà, je récolte tout. Je vais replanter. Voilà. C'est un peu de mal. Voilà. Et on les réutilise. Voilà, ça, c'est fait. Donc, on a 17 carottes. C'est parfait. Oh là, petit problème. Excusez-moi, c'est moi qui s'est mal manié le jeu. J'ai des petits problèmes, hein, vous savez. Hop, hop, hop. Mais en tout cas, content de savoir que les épisodes, enfin, que la série vous plaît bien. Hein, Minecraft Oxymos Pocket Edition vous plaît énormément. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Je suis grave content de faire cette série. Et voilà. Donc merci beaucoup à tous ceux qui suivent la série. Alors voilà, c'est terminé. Ça ressemble plus à un truc de fortune qu'autre chose, mais au moins c'est fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crafter des échelles. On va crafter des échelles avec le bois qui nous reste. Je sais qu'on en a pas mal. Et on va prendre un peu de pierre. Ah ouais, non, j'ai dit qu'il nous en restait pas mal. En fait, on en a plus du tout, en fait. J'ai menti. Ah non, il nous en reste pas mal, quand même. Ok. Donc, on va prendre ça. On va prendre ça. On va crafter des ladders. Alors, ladders, comment on fait? Je vais faire ça, d'abord. Alors, comment on fait les ladders? Ah oui, c'est là. Je peux en faire que 4? Ah, je peux en faire que 12. Alors attendez, je vais refaire des sticks. Voilà, ici. Non, pas ça. Allez, murets en pierre, ça peut rendre joli aussi. Je vais faire 30 blocs de haut, ça me paraît bien. Et on va aller faire près d'un point d'eau, comme ça je pourrais retomber dedans. Vous allez voir. Bah justement, ouais non, on va pas faire ça tout près ici, on va faire ça un peu loin. Attendez, je vais remonter là. Tac. Non, je voulais passer là. Je suis un peu teubé. Hop, mais non, hop, voilà. Tac, tac, voilà. On va se mettre ici. Comme ça, on aura une vision un peu globale de notre maison. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop, et voilà. Et là, on monte. Donc, c'est parti. Tac, tac. Ouais, je sais, j'ai des techniques de pro, techniques ancestrales, hein, je vous le rappelle. Bim, 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 bim. Alors j'ai dit 30, une trentaine. Déjà là ça peut être pas mal. On va aller encore un peu plus haut. Alors 37, 36, 35, 34. Voilà. Donc là ça fait 30 blocs de haut. Je vais mettre en sneak. Et je vais faire une mini plateforme. Tac. Tac. Hop, voilà. Je vais faire le tour parce que il y a un endroit où il faudra mettre quand même l'échelle. Faut pas se tromper. On va mettre l'échelle juste là. Hop. Faire ça. Tac. Je sens que je vais tomber tellement de fois de ce truc là si je le sécurise pas dès le début en fait. Donc j'essaie de faire une petite plateforme. Hop. Hop. Voilà. On va faire encore un petit tour et je pense que ça sera bon. Ouais, regardez, je manie l'équilibre à une grande hauteur. Hop. À la perfection, on va dire. Voilà. C'est un travail de précision. Et voilà. On va même pouvoir rajouter un petit truc comme ça. C'est vrai que c'est pas le top du top niveau joli, hein, niveau beauté. Mais je vous rappelle que on est sur un truc de survie, sur un jeu que je connais pas et tout, mais voilà. Donc voilà ce que ça rend pour l'instant. C'est juste magnifique. Je suis grave content. Je suis trop content de ce que ça rend. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais essayer de sauter... Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tous pour ce truc de folie, super. Je kiffe ma vie en tout cas. Allez, ça va être l'occasion pour pouvoir, tac, pour pouvoir faire la petite, mettre les petites échelles. Tac, tac, voilà. Allez, hop, on les met comme ça. Faut pas que je tombe. C'est grave galère à mettre les échelles en même temps. Je suis un équilibriste. Waouh, 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 waouh.
Je fais n'importe quoi, je fais what the fuck, je fais n'importe quoi les gars. Va falloir arrêter de tac. OK. Hop. Ouais mais c'est oh là là. Oh la catastrophe Oxy. Oxy la catastrophe. Attendez, je vais le tenir comme ça. Voilà, là c'est parfait. Il ne bouge plus, il change plus de position. Voilà, j'en ai pile assez. Ça c'est génial. Bon bah voilà. Je pense qu'on va se laisser là les amis, on a fait pas mal de trucs aujourd'hui, c'était bien bien cool. On a réussi à augmenter nos plantations, on a farmé un petit peu dans la mine et on a fait une tour. C'est juste génial, voilà, donc ça avance petit à petit. Il faut absolument que je trouve du diamant pour les prochains épisodes, voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à la commenter. Donnez-moi des petits conseils, ça serait juste génial. Pensez à liker cette vidéo, c'est très important, voilà, on tente les 1500 likes, 2000 likes on va dire. Pensez à partager, c'est le plus important bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ceux qui sont déjà abonnés. Et voilà, créez-vous un compte pour ceux qui n'ont même pas de compte et tout, parce que je sais qu'il y en a énormément qui ont un compte, qui regardent mes vidéos mais qui n'ont pas de compte YouTube. Donc c'est un peu dommage, ou qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés, donc c'est un peu dommage. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo de Minecraft Pocket Edition, de Oxymos Pocket Edition, tous les dimanches à 10h. Et voilà, et moi je vous dis, c'était Oxymos pour service. Allez, ciao.